Et elle était en peignoir. Elle était en peignoir. Elle avait même pas mis d'habit, genre en dessous. Elle avait son pyjama, tu sais. Elle est partie aux urgences. Ma fille! Ma fille, elle est en train de mourir! Waouh, depuis tout à l'heure, je parle et j'ai pas mis la crème sur mes mains. Ok. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera célèbre la justice et la puissance de ton Dieu. Oui, il fera. Bon. Hello le Beauty Squad, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors aujourd'hui je reviens comme prévu pour la première Kongosa Time de la semaine des Kongosa Time. Donc Kongosa Time pour tous les nouveaux, c'est des story time. Sauf que dans mon pays on dit Kongosa parce que ça veut dire commérage, blablabla. Si vous voulez plus d'explications par rapport au mot Kongosa Time, allez voir une de mes autres Kongosa Time. J'explique, la lumière elle me dérange énormément puisqu'en fait il y a un grand soleil. Et moi, mes carreaux, enfin, mes vitres, elles sont... Il y a des carreaux, genre, c'est pour ça, là, vous voyez certainement des carreaux sur mon visage. Comme par hasard, aujourd'hui. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est quoi? Je reviens donc aujourd'hui pour la première Kongosa Time de la semaine des Kongosa Time. Alors surtout je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait. Donc vas-y, abonne-toi. Et aussi bah liker, commenter, etc, etc, si tu kiffes la vidéo. Donc ok, c'est parti. Bon du coup je me suis mis là pour faire pour raconter la story time. Je pense que la luminosité est un peu mieux ici. Donc voilà, je vais faire ça ici tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où une infirmière a failli me tuer. C'était il y a environ 4 ans, il me semble. Alors, c'était l'époque où j'étais partie... Alors en fait, ça s'est passé un été où j'étais revenue du bled. Et en fait, ouais, j'étais partie au bled pendant l'été, Et en fait, normalement, quand je vais au bled, je suis censée prendre des médicaments pour... contre le paludisme. Le paludisme, c'est la maladie que donnent les moustiques au bled, puisque les moustiques au bled, c'est pas la même chose que les moustiques ici, hein. En tout cas, je peux vous le dire, c'est vraiment pas la même chose. Les moustiques au bled, c'est des bails de... je sais pas, on dirait déjà de une, ils sont surentraînés. Carré, tu veux les chasser, ils veulent pas partir de cet état-là, tu peux bouger ta main autant de fois que tu veux, le moustique il est là, il te pique, il te mange, après il va faire sa sieste, c'est comme ça là-bas, c'est pas comme ici, c'est genre tu bouges ta main comme ça, la mouche elle est déjà partie loin, non, là-bas ils sont indisciplinés. On m'avait donné des médicaments contre le paludisme, j'étais censée les prendre tous les jours. Et moi quand j'étais au bled, j'étais pas en mode je pense à prendre mes médicaments, j'étais pas du tout dans ce mood-là, j'étais plus dans le mood, ouais je m'amuse, le matin j'oubliais de prendre mes médicaments, tout ça. Ok, donc je suis revenue du bled et genre 2 semaines après j'ai commencé à me sentir mal en fait, mais j'avais des symptômes pas, enfin déjà j'avais jamais eu le paludisme comme je l'ai eu là, mais j'avais des symptômes, mais c'était pas des symptômes que quelqu'un pouvait dire ouais elle a le paludisme en fait. C'était je me sentais fatiguée, j'avais grave mal à la tête. En fait dès que je bougeais un peu comme ça, genre j'avais hyper mal, ça me faisait comme si mon cerveau il se retournait, tu sais. Et j'ai dit à ma mère, elle m'a dit ouais on va aller au médecin. Donc je suis partie au médecin, le médecin il m'a dit ouais c'est rien, c'est la fatigue. Mensonge. C'est rien, c'est la fatigue. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris des vitamines, tout ça tout ça. Quelques jours plus tard, les symptômes étaient d'autant plus forts et je pouvais même plus bouger. Genre, quand je marchais, je chantais tout. En fait, je chantais toutes mes impulsions dans mon cœur. Je chantais mes pas. Genre, ça résonnait dans mon cerveau. J'étais archi pas bien. En plus, j'avais mes règles. Mais bref, j'ai dit à ma mère, maman, franchement, je me sens pas bien. Elle m'a dit, bon, on va aux urgences. On est parti aux urgences qui sont à côté de chez moi. Alors, cet hôpital, déjà, Enfin. C'est un hôpital, sincèrement je peux conseiller à personne d'aller là-bas parce que cet hôpital il a eu tellement de problèmes avec des gens autour de moi que je me dis mais soit vraiment les infirmiers, et médecins qui sont là-bas sont nuls, mais genre vraiment nuls, genre zéro, soit c'est vraiment, il y a un problème avec cet hôpital, genre vraiment, bon. Tout ça pour vous dire, on va aux urgences. Ok, on arrive aux urgences, plein d'heures d'attente. On a attendu presque 5 heures.
Bon, allez, peut-être 3-4 heures pour qu'on nous accueille. Donc après, il y a... Quand je vous dis que cet appareil-là, toujours quand je fais une vidéo, il veut s'enclencher. C'est vraiment vrai. Tout ça, c'est le truc, le petit truc qui est en haut, là, là, le petit truc noir, là. C'est ça qui fait les pchit-pchit Bref, pendant mes vidéos. Donc, j'arrive chez le médecin, enfin, qui me prend l'urgentiste et me demande quels sont mes symptômes, tout ça, tout ça, tout ça. Ma mère, elle a dit, peut-être, je pense qu'elle a peut-être le palud, puisqu'on vient sortir du bled, donc c'est possible que ce soit le paludisme. Donc, ils m'ont fait des prises de sang. Prises de sang, ok, plusieurs piqûres, ok. On a attendu, je crois, et sans exagérer, au moins 3 heures pour avoir les résultats de la prise de sang. Donc, on a les résultats. La dame dit, l'infirmière dit, vous avez rien, vous pouvez rentrer chez vous, tout va bien, c'est juste vous êtes fatigué, peut-être un petit début de grippe, mais rien de grave. Mensonge. Ma mère, elle la regarde en mode, vous êtes sûre? Vous êtes sûre, hein? Parce que ma fille, c'est comme mon œil. La dame a dit, non, vous inquiétez pas, votre fille n'a rien. Ok. Mensonge. On rentre à la maison. Déjà, on avait passé presque 6 heures à l'hôpital, on rentre à la maison. Je me sens toujours pas mieux. Et le lendemain, je m'endors, quoi, en gros, je m'endors. Et le matin, vers 5 heures du matin, je me lève. Vraiment, Dieu merci. Enfin, Dieu est grand, vraiment. Dieu est grand. Parce que ce jour-là, d'habitude, je me lève pas pour faire pipi. Genre, vraiment, à cette époque-là, je me levais pas pour aller faire pipi la nuit aux toilettes et tout. Et là, en fait, je m'étais levée vers 5 heures du matin. J'étais descendue et je suis partie faire pipi. Et en fait, ma mère, au bout d'un moment, elle m'appelle Jenny. Parce que ma mère, elle dort pas, tu sais. Genre, c'est pas quelqu'un qui sait, qui dort beaucoup, genre, le matin. Et c'est surtout quelqu'un qui, genre, son sommeil, il est très... c'est très facile pour elle de se réveiller en entendant un bruit. Donc, quand elle m'a entendu descendre, elle s'est réveillée, quoi. Et elle m'appelle Jenny. 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 Jenny était évanouie dans les toilettes. Jenny était KO. Jenny était morte dans le game. Jenny était finito dans le film. Ok? Jenny, Jenny, Jenny. Ma mère, elle arrive pas. Elle entend pas de réponse. Elle commence à s'inquiéter. Donc elle se lève. Et là, c'est pas. Elle me retrouve comme ça dans la salle de bain. J'étais comme ça. Genre, j'étais tombée, tu sais. Genre, je m'étais évanouie. Et là, bon, d'après ce qu'elle m'a raconté, je vais lui demander tout à l'heure si, parce que là, je crois qu'elle dort, mais tout à l'heure, si elle dort pas, je vais lui demander de venir raconter bien sa version de l'histoire. Oh, purée, le soleil, là, il me cherche. Elle arrive dans la salle de bain, elle me trouve évanouie. Elle m'a portée avec mon beau-père. Ils m'ont portée jusqu'à la voiture et ils sont partis aux urgences. Et genre, en fait, ils ont grillé plein de feux et tout. Et c'était The Mission, genre déjà me porter. Ma mère, elle dit que je ressemblais à un rat mort, je sais pas quoi. Attendez, je vais l'appeler qu'elle-même, elle vous raconte, puisque elle, c'est elle-même qui sait les bails. Attendez, j'arrive. Maman, elle a dit, elle se sent pas bien, elle veut pas raconter, donc je vais continuer de raconter moi-même. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, ma mère, elle est descendue de la voiture, elle est partie dans le côté urgent. Elle est partie, elle était en peignoir. Elle était en peignoir, elle avait même pas mis d'habit, genre en dessous, elle avait son pyjama, tu sais. Elle est partie aux urgences. Ma fille! Ma fille, elle est en train de mourir! Non mais vraiment, genre quand elle me raconte, genre je sens le désespoir dans son corps, je sens le désespoir dans son être. Donc vraiment, elle était vraiment genre, elle était pas bien. Ma fille, elle est en train de mourir, venez vite, non, non, non. C'est pas, il y a 3 infirmières qui sont sorties en courant des urgences. Ils ont ramené un brancard, ils m'ont mis dessus. Après, ils sont partis en salle. Après, ils ont dit à ma mère, madame, il va falloir que vous attendiez dehors. Elle a dit quoi? Et en fait, il dit ça parce que dans le cas où la personne, elle meurt, pour pas que le membre de la famille voit, en fait, c'est pour ça qu'ils font ça. Et ma mère, elle voulait pas, genre, elle voulait être là et tout. Et il lui disait, non, vous pouvez pas, madame, t'sais, vous pouvez pas rester. Et elle voulait pas, elle voulait que. Elle a dit, madame, là, il faut vraiment qu'on s'occupe de votre fille. S'il vous plaît, attendez. Et ma mère, elle a commencé à pleurer. Vous savez comment les darons africaines, elles... Et ma fille, oh, ma fille, non, Seigneur Jésus. Ah, quand je lui disais de prendre ses médicaments. Ça aussi, c'est un des problèmes des parents africains. Je sais pas si vous avez remarqué, hein. Mais quand t'es pas bien, au lieu de te consoler un peu,
ils vont venir rajouter leur sauce graine là-dedans, leur piment. Que je t'avais dit de ne pas faire. Hein? Maintenant, tu as mal. C'est bien fait pour toi. Donc, ils m'ont gardé dans le truc. Ils m'ont fait plein d'analyses et tout ça, tout ça, tout ça. Et la dame, elle est venue dire à ma mère, ouais, votre fille, elle a eu le paludisme cérébral. Donc ça veut dire en fait mon paludisme il était monté jusqu'à mon cerveau pour que tu te rendes compte vraiment à quel point c'était grave, tu sais. 5 minutes de plus, vous auriez duré 5 minutes de plus et votre fille serait morte. Ha! Jesus. Elle a dit il suffisait de 5 minutes de plus et votre fille mourrait. Est-ce que tu te rends compte comment c'est un truc de ouf, genre j'ai échappé à la mort à 5 minutes. Tout ça dans l'histoire, madame l'infirmière qui m'avait pris, c'était le jour d'avant, hein, qui m'avait fait des soi-disant analyses le jour d'avant, on a demandé mais comment ça se fait qu'en une nuit le paludisme puisse arriver au cerveau, parce que c'est pas possible normalement, il y a plusieurs stades de paludisme, donc ça veut dire que le jour d'avant elle aurait déjà dû détecter dans les prises de sang que j'avais pas lu. Donc, j'étais vraie parce que vraiment 5 minutes de plus, c'est vraiment que le truc il était déjà un stade quoi. Le moustique s'était vraiment installé dans mon sang. Donc, enfin, c'est. Et le fait qu'elle ait pu nous dire que non, vous avez rien, rentrez chez vous, ça va aller. Genre, tu sais, des fois tu te demandes le travail des infirmières, est-ce qu'elles le prennent vraiment au sérieux? Parce qu'elles ont la vie de personnes entre leurs mains. Donc l'infirmière, le médecin avait demandé des excuses à ma mère. Et si on était des gens, des personnes mauvaises, on aurait porté plainte contre l'hôpital. Mais on s'est dit, on va pas porter plainte contre l'hôpital parce que déjà je suis en vie, Dieu merci. Donc ça sert à rien. Peut-être que j'aurais pu mourir pour de vrai. Donc merci Seigneur, déjà je suis en vie, c'est déjà quelque chose de très bien. On va pas commencer à chercher des noises encore. Le plus important c'est que on est en vie, c'est le plus important. Après j'étais restée à l'hôpital pendant une semaine quand même en réhabilitation. Je mangeais pas beaucoup, j'étais mince, j'étais comme un os sec. Et vraiment c'est... Je te raconte cette story time pour te dire plusieurs choses. Première chose, quand tu vas au bled, s'il te plaît, prends tes médicaments. C'est vraiment important, ça peut te sauver. Ça peut te sauver. On peut penser que non, c'est rien et tout, vas-y, flemme. Non, non, c'est vraiment important. Quand tu vas à l'hôpital, sois bien sûr que les analyses ont été faites. Redemande plusieurs fois même si c'est le cas. Quand tu penses que vraiment t'as quelque chose de grave. Parce que des fois les infirmières elles sont pas à la hauteur de leur titre. J'ai envie de dire les médecins tout ça ne sont pas à la hauteur de leur titre. Après il y a plein de choses qui rentrent en jeu. La fatigue, la journée qu'ils ont passée, plein de choses comme ça. Et il faut pas que tu rigoles avec ta vie. C'était le petit message philosophique. Ok. Philosophique de cette vidéo. Je pense que mes dernières vidéos elles vont flipper un peu hein, mes dernières cours ça. C'est pas le but. Le but c'est pas que vous flippiez, mais le but c'est vraiment d'être aguerri. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la Kongosa Time. Je vous fais des gros bisous. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, à liker, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Si vous voulez faire partie du Beauty Squad, ça pète, ça pète. Et demain, une nouvelle vidéo. Je vous attends, n'est-ce pas? Je vous attends, j'espère que vous allez être là. Et bientôt les 100K. I'm crying. Oh my god. Merci pour tout, je vous fais des gros bisous. Bye.